18 ans après sa participation à la Star Academy, Lucie Bernardoni a fait une révélation de taille concernant son aventure. À l'époque, elle aurait vécu une courte idylle avec le gagnant Grégory Le Marchal. Histoire démentie par un célèbre candidat de sa promotion. La suite après la publicité en 2020, Lucie Bernardoni faisait des révélations inattendues dans l'émission Un éclair de Guénie de Maxime Guénie sur Radio VL. Pour la première fois depuis sa sortie de la Star Academy en 2004, la chanteuse s'exprimait sur le coup de foudre secret qu'elle y avait vécu. C'était une belle histoire, je ne dirai jamais avec qui mais oui. Je suis tombée très amoureuse dans le château, avait-elle confié. Et en juillet 2023, elle vendait finalement la mèche. Celui qui l'a fait craquer à l'époque était Grégory Le Marshall. Le grand gagnant du télécrochet, malheureusement décédé de la mucoviscidose trois ans plus tard, en 2007. Au micro du podcast avec ou sans sucre Dean Van Damme, Lucie Bernardoni déclarait alors Il faut quand même savoir que ce n'était pas mon ami Grégory. Je l'aimais en fait. Je ne l'ai jamais dit, mais Jen est marre de me mentir. Celle qui a fini par épouser un autre ancien star académicien, à savoir Patrice McTav, saison 1 en 2001, précisait qu'il s'était mis en couple très discrètement pendant l'émission. Ça a été mon grand amour donc je ne savais pas où me placer. Je n'avais pas le droit d'être en deuil différemment, s'était-elle remémorée. Pourtant, le candidat Sofiane Tadjine ne partage pas les mêmes souvenirs. Dans l'émission chez Jordan où il était invité ce vendredi 3 novembre, le papa célibataire de 42 ans a même été très surpris des propos de Lucie Bernardoni. Non, je n'y crois pas. On n'a pas dû faire la même star assez, a-t-il lâché à Jordan de Luxe. Et d'ajouter, je suis plutôt étonné, mais après, il y a peut-être eu un petit truc, je ne sais pas. Mais pour moi, la grande histoire d'amour de Greg c'est Karine Ferry et dans le château, sa plus belle histoire c'est moi un amour amical, très fraternel, car en effet, durant l'aventure, Sofiane et Grégory avaient noué une très belle amitié. Il m'a apporté quelque chose et moi aussi. Et ce qui est marrant, c'est ce qu'avec Greg tout nous séparait Moi j'étais le jeune de banlieue Sauvageon et lui le petit jeune de Chambéry Moi j'étais les muscles et lui plutôt le cerveau. Mais il avait une force de vivre Il nous a appris plein de choses avait-il déjà partagé en 2021 La suite après la publicité la suite après la publicité